Et coucou, coucou, bien le bonjour tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une intro très classique, très simple sur Minecraft. Nous sommes sur Minecraft 1.8.1 et nous nous retrouvons pour une petite map aujourd'hui tranquillement que je n'ai pas mis dans mon dossier de jeu. Effectivement, j'ai l'air très bête parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de la mettre. Alors, évidemment, vu que j'ai la flemme de relancer la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je la mette tout de suite. Voilà, normalement, je l'avais déjà copiée. Voilà. Et là, normalement, si on relance, voilà! Voilà la map, j'avais oublié de la mettre, c'est pas grave, c'est parce que c'était le temps que j'update mon jeu, que je le mette à jour. Floating Ruins Parcours, Floating Ruin Parcours, bref, les ruines flottantes. C'est une map de parcours de jump qui a priori dure un petit quart d'heure. Alors, est-ce que je vais la faire en un quart d'heure? J'en sais rien du tout, on va bien voir. En fait, wow, le temps que ça génère la map, tranquille, on est en 1.8, en plus j'ai pas d'OptiFan, j'espère que ça va aller, bof. Alors, les rules sont simples, ne pas casser de blocs, ne pas voler, jusqu'à ce que vous ayez fini la map. Ok? Ok, deal. Alors, la map a été créée par Shochito Gotti. Pour plus de maps comme celle-là, soyez sûr de me suivre sur YouTube, donc allez-y. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et cliquez sur celui-là pour commencer. Et ben, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Voilà, on se retrouve niveau 1 en 1.8. C'est génial, les titres qui s'affichent à l'écran, ça rend plutôt cool. Je dois vous avouer que j'ai pas vraiment joué en Minecraft 1.8, voire presque pas du tout. D'accord, donc c'est des petits niveaux. A priori, c'est une map assez sympa, tranquille. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre, même si c'est une vidéo assez courte, c'est pas très grave. J'avais envie, voilà, de faire un petit peu d'autres trucs. J'avais envie de faire un petit peu d'autres trucs que Alerac. J'ai commencé Sacred 3. Bon, c'est un peu pourri comme jeu, mais c'est pas grave. Checkpoint. C'est assez rigolo. Le problème, c'est que là, j'ai tourné l'épisode 3. Il y a un problème au niveau de l'enregistrement audio. Donc, faut que je voie pour rectifier la chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Enfin, hier. Dimanche, du coup. Ouais, parce que celle-là va sortir. Oula. Va sortir lundi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Faut que je voie pour rectifier. Après, bon, bah, je vois que ça. Il n'y a pas beaucoup d'audience sur Sacred 3, mais bon, je vais voir si je continue ou pas, je verrai bien, ça peut être rigolo. Mais en même temps, si ça suit pas tant que ça, je vois pas trop, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir pour continuer ou pas. En tout cas, je suis plutôt bon là, je suis mort qu'une fois. Là, il y a des barrières, j'aime pas trop, mais. Hop, hop. Mais c'est un labyrinthe, très bien. Utiliser ses torches correctement. D'accord. Il y a de la lave au-dessus. Il y a de la lave au-dessus. Ok, très bien. Je sais pas en quel mode de difficulté je suis. Bref, ça, on s'en fout. Donc voilà, je sais pas si je continue Sacred. Je vais essayer de faire plus de trucs sur Minecraft, peut-être. Essayer de varier une aventure avec Alerac, peut-être. Mais je sais pas. Mais le problème, c'est que. Voilà, cette map-là, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Elle avait l'air sympa. Tac. Bah, il y a un truc qui vient de tomber. Elle avait l'air sympa, le problème c'est que c'est vraiment la dèche au niveau des maps en ce moment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a rien d'intéressant. C'est soit des maps PVP, soit des maps arènes ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Je sais pas. Avant, il y avait plus de maps aventures avec des petites aventures, des trucs à faire. Là, je dois vous avouer que bah, il n'y a rien, quoi. J'ai un peu galéré à trouver cette map et puis je l'ai prise parce que voilà, elle avait l'air sympa, pas trop longue. Ou des fois aussi c'est des trucs vachement longs et j'ai pas envie d'avoir des trucs vachement longs à faire en vidéo. Enfin, je sais pas, c'est particulier. Bon, c'est particulier, je sais pas. Avant il y avait plus de choix. Ou alors c'est moi qui ai changé de. Enfin, j'en sais rien, mais avant je trouve qu'il y avait plus de choix et je suis perdu dans ce labyrinthe. J'ai ouvert les deux leviers, mais bon, si ça me mène nulle part, ce n'est pas intéressant. Ok, très bien. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était très cool. C'était très cool, c'était. Ah ah! Yeah! Second floor, donc deuxième niveau. Génial. Je suis assez balèze. Hop là. Je suis assez balèze et je suis fier de moi. Ah ah, il fallait bien que ça arrive. Hop, parfait, le système de checkpoint était bien fait. Donc, ça marche super bien. Par contre, maintenant, les maps sont d'un niveau tout autre que ce qu'il y avait avant. Grâce à toutes les options qui ont été rajoutées. Enfin, rien que les commandes blocs, en fait. Rien que les commandes blocs, ça a vraiment révolutionné l'univers des maps. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien.
c'est que ce jeu est en constante évolution. Je sais pas trop où ça en est, je dois vous avouer que je suis pas trop à la mise à jour, mais à ce que... Enfin, je vais quand même de temps en temps sur les sites de Minecraft, mais il n'y a pas trop de trucs a priori qui arrivent prochainement. Enfin, j'ai pas... Y a encore... Je sais même pas s'il y a encore des... Alors Snapchat c'est l'appli, donc des Snapchat. Je sais plus. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est des Snapchat, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Niveau 5, très bien. Waouh, en 5 minutes, disons qu'on est déjà au niveau 5. Je suis plutôt fier de moi. En tout cas, c'est du jump barrière, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout depuis très... Est-ce que j'ai les commandes? Ok, donc j'ai les commandes. J'ai les commandes. Alors, petit bug. Ah, voilà, ça peut pas être parfait. La question est... Ça, j'ai fait. Ça, c'est bon. Non, j'étais pas aussi haut. J'étais pas aussi haut, j'avais pas passé ça. J'avais pas... Ah ah, ça doit être par là. Ça doit être celle-là. Ouais, c'était là. Tac. Voilà, les petits aléas, comme ça. Ouais, c'est bizarre, y a pas de checkpoint. Je sais pas. On va essayer de passer sans mourir, du coup. Eh. Putain, ouais, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant, par contre. C'est embêtant. Y a pas une commande de checkpoint, ça existe pas. Slash set spawn. Non, ça existe pas. Bon, bah, il reste plus qu'à à ne pas mourir. Voilà, comme ça. Wow. Yes, c'est bon, checkpoint. Hey, on y arrive tranquillement, petit à petit. Enfin, voilà, je vais essayer de trouver peut-être faire une autre série en parallèle sur Minecraft. Mais j'aimerais bien faire des trucs en multi, mais c'est un peu complexe. C'est un peu complexe, je n'ai pas de connexion. Enfin, je le répète, hein, toujours, je n'ai pas une assez bonne connexion pour faire quoi que ce soit en multi. Donc, pour le moment, il n'y a pas de multi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit trou là, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Hop là! Hop! Hop! Sinon, faut que j'essaie de faire des vidéos sur d'autres jeux. Faut que je télécharge GTA 4. Je sais que, enfin, je l'ai. Faudrait que je le télécharge pour faire juste des vidéos dessus. Faire un peu de la merde, j'en sais rien. Peut-être pas sous forme de let's play parce que ça risque de lasser les gens. Donc, peut-être juste des vidéos. Juste des vidéos sur GTA 4, peut-être, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Faudrait que je le fasse sur Just Cause 2. J'ai Just Cause 2 aussi. Ça peut être sympa à faire des petites missions sur Just Cause 2. À faire de la merde. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Faut que j'installe un truc également sur mon PC. J'installe un truc pour peut-être faire des vidéos console. Il faut que je l'installe. Faut que je l'installe et je l'ai pas encore fait. Je déteste les barrières. Je n'aime pas les barrières. Comment perdre du temps inutilement? Ah, ça, je l'avais prévu. Je l'avais vu venir. Hop là. Ah, ok, parfait. Voilà. Ouais. Ah, tire au toquet. Voilà. En tout cas, le sol en diamant, c'est... C'est concept, hein. Il y en a... Il y en a qui ont le goût du luxe. Alors, voyons voir. C'est le moment recoiffage. Est-ce que je suis présentable à la webcam? J'ai une petite mèche qui dépasse, mais c'est pas grave. On s'en contrefiche. Du moment que je reste sexy as fuck, comme on dit chez nous. Ah, avec la tête de la concentration, ça passe tout de suite mieux. Ok. Là, c'est toute la complexité d'un saut. Ha! Génial! Je suis trop fort. Hop. Bon, ça va, il n'y a pas trop de risque ici. Il n'y a pas du tout de risque même, c'est ça qui est bien. Allez, on peut tricher là, on peut monter comme ça et tout. Bon, je suis sûr il y a moyen de tricher si on sort. Si on cherche bien, il y a moyen. Si on cherche bien, il y a toujours moyen. Bon.
Voilà. Hop. Je vous invite à essayer cette map en tout cas, qui est pour le moment très sympa. Vous avez juste à la télécharger. Elle est dans la description, j'oublierai pas de la mettre. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la nausée. Ouais, d'accord. Enfin bon, du moment qu'on sait qu'il faut sauter tout droit, ça change rien quoi. Waouh, j'ai rien dit. Ça pique les yeux. Bon allez. S'il a mis ça, c'est pour qu'on ait la nausée à chaque fois, donc on va le faire avec la nausée. Ça tourne la gueule, effectivement. Alors, on sait qu'il faut aller deux. Ok, très bien. Allez, concentration. Ouais, en fait, on perd un peu la notion de distance. Ouais, on perd la notion de distance. Ah, je ne veux pas mourir. Bon, d'accord, mourons. Ça fait mal à la tête, dis donc. Ça fait mal à la tête. On dirait que nous sommes sous alcool. Et encore, l'alcool se fait pas autant que ça. Wouh! Ok, génial. Faut que j'évalue la distance. Faut que j'évalue la distance avant toute chose. C'est une petite distance. Normalement, ça se fait en saut normal. Si je vais assez vite, j'aurai peut-être le temps avant que ma. Ok, haha! Oh oh oh. Ah! Checkpoint! Génial! Je suis trop fort. Je suis trop balèze. Je suis trop balèze, vous pouvez pas tester. J'espère que. Non, ça va au niveau de la luminosité. Il fait jour donc j'ai ouvert les volets. Oh! C'est fou. C'est fou quand on ouvre les volets chez soi, ça change la vie. Et ça économise de la lumière. Ah, et on est presque à la fin, j'ai l'impression. Yep. Qu'est-ce qu'il y a ici du coup? Mais y a rien du tout en fait. Pourquoi? Je comprends pas, des fois les gens ils mettent des petits trucs comme ça sert à rien quoi. Enfin, il s'est dit ouais je vais faire un sol, ça va être génial et en fait il l'a pas fait parce qu'il avait la flemme. Waouh! Ok donc ça va être du jump de compétition. Ça va être du jump de compétition. Ha! Ya! Yeah. Oups. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Tac. Non, bon. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. En tout cas, j'aurai besoin de votre aide dans les commentaires pour participer un petit peu à la vie active de cette chaîne. Je me suis postillonné dessus, c'était génial. C'est un gros dégueulasse. Non, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse des petites vidéos sur GTA pour savoir si je le télécharge. Savoir que j'ai soit GTA San Andreas, GTA 4 et les deux extensions de GTA 4. C'est. Peut-être faire. Peut-être faire une vidéo de biker un petit peu. Voilà, moi je suis un biker dans l'âme. Comment ça s'appelle? C'est The Last and the Damned. Damned. The Last and the Damned. Je sais plus comment ça se prononce. Damned, je crois. Ouais, ça se prononce comme ça. Ouais, voilà, j'ai ces deux extensions là sur GTA 4. Plus le jeu original. Hein. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Mais vraiment, si vous me dites oui, juste pour que voilà, je les fasse et qu'au final personne regarde, ça ne sert à rien. Et je vais réfléchir si oui ou non je continue Sacred. Parce que voilà, si ça intéresse que moi, je vais le faire de mon côté tout simplement. Et puis j'arrêterai la série parce que bon. C'est pas folichon folichon, les vues que ça fait quoi. Donc c'est pas très intéressant. S'il y a personne qui regarde quoi. Voili, voilou. Je l'aurais bien fait en live sinon, mais le problème c'est que je peux pas, avec la connexion que j'ai, je ne peux pas faire de live. Sinon, j'aurais pu le faire en live. Ça aurait été sympa, comme ça, seules les personnes qui voulaient le regarder auraient regardé. Mais je ne peux pas. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos Minecraft. Des maps qui peuvent être sympas, mais. Disons. Allez, des maps qui peuvent faire 1 heure. Avec des aventures sympas. Faudrait que je regarde c'est quoi qu'il avait fait. Pas pour copier spécialement, mais il y avait eu un autre truc de Zelda qui était sorti, je crois. Siphano avait fait plusieurs épisodes, 11 ou 12. C'était pas Ocarina of Craft, c'était un autre truc. Faudrait que je regarde ce que c'est. Parce que pourquoi pas, ça peut être sympa. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, je sais qu'il a fait une aventure là-dessus, c'était Minecraft Zelda, quoi. Donc voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore, mais je pourrais le faire, ça pourrait être sympa suivant ce que c'est, quoi. Donc j'allais me renseigner, mais sinon, si vous avez des idées de map, des petites aventures, je sais pas. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Moi, je suis tout ouïe à toute proposition. Et puis, en parallèle, il y aura Alera qui continue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y aura sûrement un épisode demain d'Alera, d'ailleurs. J'en tournerai un.
Donc il y en aura sûrement un demain ou après-demain. J'essaie de refaire une vidéo par jour, mais des fois j'arrive pas. Enfin, j'ai pas le temps ou je peux pas, donc il n'y a pas forcément tout le temps une vidéo par jour. Thank you for playing! Alors, click me, free diamond. Yeah! 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 Haha! You can now kill yourself. Non! Non, non, non. Vous savez ce qu'on fait à chaque map? Bah oui, vous savez ce qu'on fait. Hein? Vous savez parfaitement ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout. Oh! Porte en bois de chez. Oh! Fais voir à quoi ça ressemble. Bois de bouleau. Bois de sapin. Donc ça, c'est chêne, c'est normal. Bois d'acajou et bois d'acacia. Oh! J'aime beaucoup celle en bois de bouleau. Ouais, parce que je savais pas du tout à quoi elle ressemblait, donc maintenant je le sais. J'aime beaucoup, ouais. Je la trouve vachement sympa. C'est l'heure de détruire les maps. Pourquoi je suis boosté absorption? C'est l'heure de détruire les maps. On adore détruire. Ouais, ça fait qu'un petit quart d'heure de vidéo, donc comme ça, vous avez le droit à une petite séquence destruction. Ça me fait plaisir. C'est mon petit kiff à moi, voilà. C'est le moyen de vous dire merci. On est 12 000 sur la chaîne. 12 300, je crois, on a passé. Ça avance petit à petit. En moyenne, une centaine d'abonnés par semaine, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, moi. Moi, ça me va. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. Après, il faut que les vues suivent. Je fais pas la course aux vues ou quoi que ce soit, mais enfin, faut qu'il y ait un minimum de personnes qui regardent. Vous êtes toujours nombreux à regarder, mais au niveau de Sacred 3, c'est vrai qu'il y a pratiquement pas, enfin, il y a pas beaucoup de monde qui regarde, donc c'est pour ça. J'émets un doute sur la continuité de cette série. Donc voilà, moi je vous invite à aller regarder le premier épisode. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas, j'arrête. Donnez-moi du coup vos avis pour les prochaines vidéos, savoir ce qui pourrait être intéressant à faire, à créer, à passionner, à entreposer. Ça ne veut rien dire. En tout cas, ça va bien péter cette merde. Ça va bien péter. Ça va. Ah! Ça va bien pétoyer, festoyer, comme on dit dans le jargon. Et si vous êtes sage, promis, je ferai une petite crémaillère dans mon appartement et vous serez tous invités. Les 12 300 personnes, vous serez invités sans faute. D'accord? Allez, ça me fait plaisir. Mais seulement si vous participez dans les commentaires. Si vous participez dans les commentaires, je vous inviterai à ma petite crémaillère. Bon. C'est déjà pas mal, non? Alors. Il doit bien y avoir un briquet qui traîne là-dedans. Ouais, moi je suis ça à l'ancienne, moi, les briquets. Tac! Allez, une petite vue sympatoche pour voir comment ça va péter. Et ça va être plutôt cool. C'est toujours aussi efficace, hein, mine de rien. Ah, vous avez survécu. Pourquoi des blocs invisibles? Je comprends pas. Pourquoi y a-t-il des blocs invisibles? C'était pas très malin de ma part. Oh, tu fais des trous dans le diamant. Ah, bon, bah voilà. Maintenant, ça va se mettre à laguer parce que toute la lave coule. Voilà, j'ai fait mon petit truc sympatoche. Oh, y a encore les textes flottants, mais c'est génial. C'est génial, la TNT est toujours aussi efficace. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je sais, elle est un petit peu courte. Mais voilà, quand c'est court, c'est bon. Si on sait bien s'en servir de ce temps, si on sait bien se servir de son temps, ce sera très intense. Voilà. je vous fais plein de bisous sur vos facettes carrées sur le bout du nez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire. Participez dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez que je fasse ce qui vous intéresserait, si vous avez des idées de jeux à la limite qui peuvent pas coûter trop cher ou qui sont gratuits ou j'en sais rien, qui peuvent être sympas ou vous me voyez bien dessus, je ne sais pas. Participez. Participez, montrez que vous êtes là. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours. C'est vraiment ce qui importe, c'est d'avoir un maximum de retours. Soit pouce vert à des commentaires et j'aime bien. Et ça me fait interagir avec vous et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter également et à parlementer avec moi. Voilà. Gros bisous de grand-mère. À la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, bye, salut.